Bon, nous on courant déjà. J'ai passé 2 semaines là, États-Unis la gonja dans la classe politique là. C'est pas vrai qu'on ça ne carré lui parce que gros paquet de politiciens de série de nègres qui t'ont occupé scène politique là, qui t'a fait gros gorge, pas gain politique sans yo, pas gain solution pour crise politique sans yo. Jodi an là, n'a chercher à baleine nous ba ouais côté yo. Est-ce que nous entendez yo? Non, tout nèg occupé là, a chercher dossier, a chercher avocat pour aller chercher dossier pour yo et ambassade américaine, pour aller chercher dossier pour yo ambassade Canada etc. pour yo y a chercher défendre tête yo, y a chercher clean non yo, soi-disant c'est sanction politique États-Unis à Canada prend compte yo, mais il pas rien pour vraiment trafic drogue, trafic d'armes, il pas rien pour avec nèg qui financer violence criminelle qui gagne relation à gang en dedans pays. Nous entendez discours nous entendons des discours et président Tiresséna Nambielbaï, nous entendons des discours Yuri La Tortue, nous entendons des discours Garibodo et Roni Celesté, nous entendons des discours tout nèg yo. Yo tout doux, yo innocent. Yo tout doux, yo pas fait ça vraiment États-Unis et Canada reprocher. Donc si tout innocent, nous coupables, c'est nous coupables. Ça nous clair sur yo. Kounyen, c'est pas seulement classe politique là, bien entendu, c'est pas seulement politicien aux sanctions ça a été visé. Nous tendons des nèg qui fait partie et de secteur privé des affaires là qui en bas sanction, nous tendons des membres dans société civile là qui en bas sanction. Bon, Majorie Michel là, gain information qui a circulé comme quoi yo t'a coupé visa Majorie Michel et maintenant là madame Nagret font poste, il paraît tout limé, il dit c'est fake news, c'est rumeur, yo pas coupé visa etc. etc. Nous pas contre ça pour nous quoi. Par contre, ça pour nous pas quoi, nèg yo monsieur dames ça yo, yo seulement vle pour admettre vérité, c'est le États-Unis et Canada sorti note. Sorti communiqué sur yo, c'est leur ça vraiment, yo kadou, oui c'est vrai, non c'est pas vrai etc. Et bien dans moment n'a parlé là, gagner groupe d'intérêt en Haïti yo. Ça nous relé oligarque corrompu yo. Gen moun ki relé au bourgeois senti. Et bien là, monsieur dames ça yo gon marché précédé puisque nous connaissons déjà. Oligarque corrompu, c'est eux-mêmes qui gagnent le contrôle pays. Je ne parle même pas de contrôle politique, je parle de contrôle pays. C'est eux-mêmes qui mettent moun dans la politique, c'est eux-mêmes qui mettent président, c'est eux-mêmes qui investissent dans la campagne, dans l'élection, c'est eux-mêmes qui mettent sénateurs, députés. Ils investissent dans la campagne, toute classe politique. À la fin, le monde est élu pour qu'il assuré, il pral bien faire l'argent, il pral continuer à jouer privilège, il pral gagner plus franchise, il pral gagner plus droit, vous comprenez? Plus droit dans le pays, plus monopole sur le marché commerce en Haïti. C'est une des raisons où des séries de jeunes qui influents, ou pas gen l'autre catégorie moun qui ka fait business en Haïti, pas gen l'autre catégorie moun qui ka fait market en Haïti. Et là n'a gardé semaine passée, dans week-end qui se passait là. Comment yo touye met Émile Marquette là froide et ou regarder article journal qu'a écrit ou regarder information qu'a circulé des proches froides qui parlaient qui dou yo assassiné froide c'est parce que yo estimé li t'a fait concurrence déloyale s'il vous plaît pour qui ça parce que yo dou li même dans Émile Marquette li vend avec 10% de prix l'acheter ça veut dire si l'acheter produit $10 li mette 10% sous li pour le vendre dans la market li. Donc gen l'autre gros entrepreneur, gen l'autre gros market etc. qui vend produit bien cher, qui fait 30%, 40%, 50%, gen même qui veut faire 100% sous produit. Donc yo ta estimé c'est concurrence déloyale, yo ta estimé que froidiser l'homme à battre et puis sortandi là yo assassiné ni met maye Émile Marquette là ni papa ni petite, yo touye deux moun non même famille juste pour yo ka satisfaire soi-disant intérêt économique. Eh bien, comme violence criminelle qui gagne dans pays, c'est pas seulement classe politique là qui finance elle. C'est pas seulement politicien criminel yo qui derrière, gen oligarque corrompu jodi an la pour business yo fonctionner tout dépend de zone nié. Yo gon l'argent chaque semaine, chaque mois, y a paye groupe gang. Yo gon l'argent chaque semaine, chaque mois, yo gen produit a bay groupe gang, y a fait armes rentrer pour bandit, y a alimenter bandit en hommes, en munitions. Donc jodi an là, gen marché pressé qui derrière yo parce que si yo rive sanctionner politicien qui fait job oligarque corrompu parce que politicien en pile là yo c'est job oligarque corrompu, job sale, job senti yo vinn faire pour oligarque corrompu pour yo déstabiliser pays, pour yo chavirer pouvoir, pour yo chavirer gouvernement, pour yo ka yo même prendre contrôle pays, prendre contrôle l'État pour toujours continuer bay avantage avec nèg za yo qui pas aimer pays. qui pas investi dans le pays, mais qui a créé conditions pour gang pour pays, pour eux même pour toujours bon contrôle sur activités commerciales. Eh bien, si vous arrivez à sanctionner les politiciens, il faut aller chercher patron politicien yo. Puisque vous êtes sanctionné, vous êtes et l'organe des États-Unis, l'organe des résolutions 2653 qui vote dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous êtes identifié barbecue, vous identifié un paquet de l'autre gang, vous regardez gagner sanction, gagner boy, disons pas sanction. Ou ap gade décision FBI prend pour mettre 3 millions de dollars derrière qui est. Yo mettre 1 million derrière et l'homme sans jour 1 million derrière vite l'homme, 1 million derrière gaspillage pour kidnapping, pour ça criminel y a fond de pays. Donc États-Unis, communauté internationale là gon idée de gang yo. Yo gon idée de monde qui financer gang yo. Yo gon idée de action criminelle y a mené en dedans pays. Donc s'il facile pour yo identifier politiciens qui a alimenté gang yo, yo arrive identifier acteurs criminels yo et derrière toute bagaille ça en Haïti qui est qui gagne monopole l'argent, qui est qui gagne l'argent pour dépenser, pour voyager, pour déstabiliser pays, c'est oligarque corrompu. Et bien jodi là États-Unis, Canada, la gon marché pressé des nèg yo, pressé là ouais oligarque yo, ouais différents groupes d'intérêt, des séries de gros bourgeois en Haïti, c'est réunion sur réunion, réunion après réunion, négociation après négociation, dialogue après dialogue pour yo joindre une solution avec problème pays. Yo décide des fois ça pour yo mettre pied à terre, yo décide des fois ça pour yo joindre une entente pour yo calmer situation pays. Est-ce que c'est reconnaître que c'est conscient que yo même tout yo participer dans créer violence criminelle dans le pays yo getan a précipiter bagala avant que États-Unis sanctionner yo publier non yo puisque m'a rappelou sanction États-Unis et Canada prend là yo c'est vrai c'est des sanctions et dissuasives liées pour tout l'autre criminel l'autre politicien corrompu yo pour yo même pour yo changer comportement et c'est ça yo dit à travers sanction yo pour yo ouais comment politicien yo comment nèg yo ka changer comportement c'est vrai y a saisi caillou y a saisi bien yo y a gelé compte banque yo mais c'est dans intérêt pour yo changer comportement et si kounya nèg ça yo décider changer comportement est-ce que yo pas continuer sanctionner yo? Est-ce que vous pas continuer prendre sanction contre vous même? Est-ce que vous avez kouni a jan ou oligarque corrompu yo décider chita ensemble là pour regarder comment yo ka joindre sortie de crise, pour regarder comment yo ka mettre de l'eau dans du vin yo. États-Unis et Canada pas décider sanctionner yo. Donc c'est là oui pour nous vigilants, pour nous prudents. Parce que là où monsieur dame oligarque corrompu ça yo, groupe d'intérêt ça yo, machin pays ça yo, nèg ça yo qui prend pays en otage. Jodi an là, pendant États-Unis et Canada a sanctionné oligarque corrompu, a sanctionné politicien corrompu, politicien véreux ça yo, criminel avec ça yo, criminel habillé ça yo, parce que yo ta gen relation soi-disant avec gang, avec bandits dans pays pour touyer haïtien, pour déstabiliser pouvoir. Ou oligarque yo même yo gen dou bon OK pas de problème, n'a chita ensemble, tout nèg réuni, tout nèg dialoguer, tout nèg a fait proposition. Là son moyen, là son stratégie nèg a appliquer pour montrer communauté internationale, pour montrer États-Unis et Canada cap sanctionner nèg, yo gen volonté pour participer dans changement. Yo gen volonté pour participer dans calmer situation criminelle, situation violence. Et nous-mêmes nous tellement attendons pour sortir les oligarques corrompus. Nous tellement attendons pour sortir non les criminels avec ça, criminels économiques ça en dedans pays. Nous pas attendre encore. Parce que en Haïti nèg ça c'est des intouchables. En Haïti nèg ça y a fait corruption, y a fait blanchiment l'argent, y a fait enrichissement illicite, mais yo c'est des intouchables ou pas qu'à parler de yo. Ou pas qu'à citer non yo, yo gen la justice nan poche yo, yo gen la police nan poche yo, yo gen gouvernement nan poche yo, yo gen juge nan poche yo, yo gen commissaire gouvernement nan poche yo, qui so ka faire contre nèg za yo? Comment ka bataille contre nèg za yo? C'est une des raisons là ouais, gen manifestation dans la rue. Ou ouais moun yo tellement révolté, ouais moun yo tellement remonté manifestant yo, yo al faire des choucailles, yo entre dans business nèg za yo, piller yo, mettre du feu yo aller. Ou nèg za yo pa kè? Comme si vous posez maillot seulement sorti un petit note, vous dou, vous victime, etc. Mais vous avez un côté où vous allez tirer l'argent. Vous allez tirer l'argent parce que vous allez monter le volume kidnapping. Vous allez tirer l'argent parce que vous allez faire plus trafic d'armes, plus trafic balle dans le pays. Vous allez faire plus cocaïne rentrer. Vous allez tirer l'argent parce que porte on a l'ouvri bien grand pour vous. Donc vous n'avez pas mal, vous n'avez pas cœur. Donc si c'est pour vous, nous te mettons fait carré pour les business. Nous te mettre fin carré, piller, déchouquer, musicien, yo pas jamais réagi vraiment. Donc là, nous voulons toujours comprendre nos grandes bagailles. C'est nous-mêmes qui perdons. D'autant nous pas de responsabilité pour nous dire vraiment nous faisons une bonne révolution, pour nous faire action finale contre tout nègre qui a accaparé au pouvoir l'État, contre tout nègre qui piège le pays, qui piège le peuple. On n'est pas fait. Valais fois n'a boulé des limotes qui sont boulosonique sorti note qui ont déploré ça fait là, groupe de limotes, ils ont allé dans Ona, ils ont prêté l'argent, l'État prêté l'argent, ils ont continué à faire business. On continue à investir, ou même cap cotiser dans ONA, ou même y a touché cotisation chaque mois sur l'argent travail ou gain accès pour prêter dans ONA comme ça, ou gain accès l'offre de travail, ou gain accès pour toucher retraite dans ONA combien lié, combien ba ou alors que politicien ça yo nèg ça yo cap déstabiliser pays, cap créer violence, cap mettre situation, cap créer situation pour gang prend pays, pour gang terroriser, kidnapper, assassiner. Nègres, c'est eux-mêmes qui prêtent pour 10 ans, 30 ans. C'est eux-mêmes qui prêtent pour 50 ans. C'est eux-mêmes maman, yo frère, yo bon frère, yo prêté. Yo sénateur de la République. On a relé au chèmètre, chèmètre. C'est eux-mêmes qui pour mettre directeur dans ONA. Pour qu'ils aient prêté des millions de dollars. Yo prêté sous toute qualité non. Yo prêté sous toute qualité forme. Jodi en la faut nous dénoncer yo. Parce que même gens nous ouais oligarques corrompus yo. Même gens nous ouais groupe d'intérêt ça yo. Des séries de monde nous relé yo. Nous relé yo si au Libanais etc. Mais écoute, c'est pas seulement si au Libanais yo. Non, c'est pas seulement yo. Même jodi en la qui kebe pays en otage. Ils représentent un parti dans la classe économique. Là. Mais véritablement, ils regardent. C'est haïtien pareil, c'est sénateur de la République, député, ils regardent, c'est directeur général, c'est ministre, premier ministre, des séries de nèg qui dans des postes de responsabilité aujourd'hui dans le pays. C'est eux-mêmes qui participent à voler, c'est eux-mêmes qui profitent à dilapider, c'est eux-mêmes qui profitent à débaliser quelque chose, qui profitent à déstabiliser le pays, à utiliser les fonctions gagnantes pour alimenter gang, pour alimenter violence de des criminels. Qui est-ce qui est plus criminel que criminel? Ça n'a pas gagné. Que les oligarques corrompus ça yo, que les oligarques politiciens ça yo, oui. Il y a des séries de nègres qui font politique là qui veulent ressembler à oligarques yo. Parce que le nègre la vole l'argent de l'État pour aller acheter belle caille Miami, aller acheter belle ville en République Dominicaine. À qui est-ce que vous ressembler? À oligarques corrompus, à oligarques économiques yo, c'est avec eux vous ressembler. Je dis en là tout nègre qui fait politique, yo retrouvé yo en dedans oligarques. Yo vle sembler avec un oligarque corrompu, nèg lan li vle sembler avec groupe Boulos, li vle sembler avec groupe Accra, li vle sembler avec groupe Bidjo, li vle gagner autant de l'argent que yo, etc. C'est pour ça que kaze pays. C'est pour ça yo pas jamais vle accepter un président démocratiquement élu à travers les élections rester sous pouvoir. C'est toujours une question de transition, c'est toujours une cause de transition, yo pas gain contrôle sur trésor public là, yo pas gain contrôle sur l'argent l'État, nèg fouré mais prend gens yo vle, nèg mettre moun gens yo vle dans pouvoir, nèg mettre moun gens yo vle dans poste etc. C'est ça yo vle. Donc poser des questions qui le pays ça a stabilité à modèle dirigeant ça yo. Qui le pays a de stabilité à modèle politicien ça yo aime toujours dit nous n'a pas dit nous depuis le Canada et États-Unis après sanction contre nèg ça yo c'est plus bon moment haïtien gagné pour tout éradiquer fatra ça yo sous scène politique là retirer moun ça yo dans figou sous classe politique là parce que on nous suive tant que par exemple si nous prenons le cas Venezuela on regarder qui quantité sanctions États-Unis Canada te prend et contre Nicolas Maduro. Le même encore, les États-Unis te campé des comment le relé des présidents de transition yo te mette ya. Yo te malgré Venezuela mon président élu oui. Yo vient avec Juan Guaidó, yo dit Juan Guaidó lui-même il c'est président de transition hein. Yo reconnaît lui, yo fait plusieurs autres pays reconnaître Juan Guaidó comme président de transition au Venezuela etc. Qui ça yo fait yo rentre Venezuela, yo vinn font changement sous ordre constitutionnel. Venezuela a deux présidents. Bon, même quoi, même Haïti te reconnaît Juan Guaidó à l'époque. Par rapport avec situation ça, Juan Guaidó, il était dans l'intérêt États-Unis. États-Unis ont besoin de stabiliser Venezuela. Yo correct Juan Guaidó. Mais le 4 mars 14, qui soit ouais? Le 4 mars 14, États-Unis, Biden, li obligé voyer délégation à Chita avec Nicolas Maduro pour défendre l'intérêt. Yo gen intérêt en jeu, yo besoin gaz, yo te besoin libérer moun etc. faire changement de prisonniers. Yo voye Alchita avec Nicolas Maduro. Jodi an là, est-ce que États-Unis toujours reconnaître Juan Guaidó comme président Venezuela? Non. Non, parce que le bois amarré pour yo, yo qu'on a qui est pour yo chita, qui sont venus. Malgré toutes sanctions États-Unis prend compte Venezuela, malgré toutes sanctions Canada, la France te prend compte Venezuela. Jodi en là, sanctions ça yo qui ça yo fait, yo rend Nicolas Maduro plus fort au Venezuela. Yo rend ni plus fort parce que le gros chita parler avec qui est fait c'est avec lui-même. Jodi en nous voulons éviter ça. Nous voulons éviter ça en Haïti pour quelle raison? Parce que ou ils ont sanctionné l'ancien président Michel Matéli, ils ont sanctionné Laurent Lamotte, ils ont sanctionné Seyan, ils ont sanctionné un paquet de politiciens. Mais en Haïti, si nous-mêmes, nous pas choisi pour nous intenter action contre Nexayo, pour nous toujours qu'aimer non Nexayo dans opinion, pour population, pour peuple haïtien connaît que modèle Mounzayo, c'est volé, modèle Mounzayo, ils ont participé à créer violence, ils ont participé à déstabiliser pays, ils ont mis pays à côté là. Comme ça, tout cas, on a vu plus fort demain. Comme ça, tout cas, on a vu plus fort demain. Pour qui raison? Parce que vous pral fait tête passer pour victime, vous pral fait tête passer pour libérateur pays, pour sauver pays. Joël Yuri de commencer faire là. Lidou puisque le position par rapport avec intervention militaire là, c'est pour ça vous sanctionnez, c'est pour ça vous bannissez des sanctions politiques, vous campez en face, etc. Faut nous vraiment prudents, faut nous vraiment vigilants pour sanctionner ça, pas renforcer position nègre sous scène politique là. Pas oublier, yo même yo pas représentant un pays, yo c'est comment yo c'est des particuliers en Haïti, OK? Yo fait partie de classe politique là et nous connaît en Haïti qui ça bagaille là, nèg qui pi corrompu yo c'est eux même qui sous moun. Nèg qui pi volé yo c'est eux même qui sous moun, bandi légal yo c'est eux même qui sous moun. Nous obliger nous même toujours kembe dossier ça dans l'opinion publique pour éviter que les politiciens qui en bas sanction, que le oligarque qui prend en bas sanction, que le nèg, que le femme dans la société civile qui prend en bas sanction. Moun sa yo, nous pas prendre, moun sa yo, nous pas d'accord, nous pas jamais admettre encore pour retourner sur scène politique là et moun sa yo supposé banni dans prochaine élection qu'a bien pour faire yo. On pral dire la justice pour trancher, mais écoute, la justice pour trancher, mais de quelle justice parle-t-on? En Haïti, nous connaissons nèg sa yo qui prend justice en otage. En Haïti, c'est moun sa ou gen contre justice. Donc, à tous les coups, si gon justice kap tranché, la toujours tranché en faveur yo. Nous supposons faire de l'opinion publique là. Nous supposons faire de comment dirais-je, de ça nous-mêmes nous gagner comme perception de moun sa yo, façon nous wè yo, façon y a pas agi. Nous supposons prendre ça comme sentence contre yo même. On nèg yo te considéré comme volé. On nèg qui pas kabayi. Qui pas kabay rapport sur façon gérer l'argent l'État, on est qui pas kabay rapport sur quantité l'argent l'État dépensé, quantité l'argent l'État gagne leur fait rentrer, quantité l'argent l'État gagne leur sorti dans poste. Moun sa yo, nous pas qu'à prendre, nous pas qu'à continuer avec yo. Donc il est extrêmement important pour nous continuer dénoncer vagabond sa yo, pour nous continuer mettre lumière sur vagabond sa yo parce que tout volet, tout criminel, tout assassin auront côté bien spécifique où doit mettre yo dans prison. Dans la prison, c'est la place. Donc, nous avons continué l'émission parce que le dossier a changé, l'actualité a changé. Donc, là, nous avons continué avec l'émission. Dans le commencement, nous avons parlé de sénateur Patrice Dumont qui lui-même lui font long interview, lui font long râler sur la situation haïtienne vivant en République dominicaine, complicité l'État dans ce qui a passé en République dominicaine, dans silence l'État, silence l'autorité dans ce qui a passé en République dominicaine, l'argent de gagné pour le faire stade, etc. Dossier 25 stade la motte, côté l'argent ça a passé qui s'agit dans le dossier ça au moment là m'a quitté avec sénateur Patrice Dumont là bon plus explication plus détails restez connecté puisque faut qu'on connaît toute bagaille qui a passé en dedans pays avec dossier l'argent taxe yo l'argent impôt yo vagabond criminel nèg avec ça yo a dilapidé a volé donc prêtez-moi toute attention bail sénateur à toute attention et puis qui pour moi pour sénateur à tout pas important dans la situation pays ailleurs et dans la situation que particulièrement haïtiens qui vivent en République dominicaine et haïtiens qui étaient sous frontière là, je vais parler de mon Wanametio, mon Gantier, donc Malpass, mon Belader, mon Assapitre, dans une pensée spéciale pour eux. C'est vrai que mon paquet, puis fort monde en Haïti, c'est de la souffrance. C'est les gens qui sont délaissés, c'est les gens qui sont abandonnés, mais plus fort monde, quel que soit l'autorité, mais nous pensons que à cause du fait qu'il y a une politique frontalière en Haïti, les gens sous frontières, ils ne sont pas même capables de dignité d'Haïtiens, Et puis, moi, je pense spécial pour les iléaux, principales iléaux, et la vache, Caïnite, Lagonave, avec la tortue. C'est mon vieux comme Dadoula, il peut être non haïtien, mais il n'a pas gagné aucun traitement de la part de l'État comme haïtien. Moi, j'aimerais préciser que, bien sûr, je parle de la conscience du sénateur Patrice Dumont que nous recevoir. Oui, moi, tout à fait conscient que je réponds à une invitation en tant que sénateur haïtien. Ce n'est pas forcément comme citoyen, c'est comme sénateur. Moi, réponds à l'invitation. Et c'est. Moi, toujours regrette, je veux dire, je regrette encore plus, que non seulement les partis dans l'État qui est le législatif là, les plus que dysfonctionnel, mais tout que l'État, parti exécutif là, il y a un gouvernement de facto, et tout travail sous territoire qui gagne, tout travail de protection population qui gagne, d'ailleurs, il y a un ministère qui est santé publique et population, eh bien, c'est travail gouvernement. Et je dis, hein, une fois de plus, non, ouais, nous sommes de Mme Pierre qui sont à Paris là, nous sommes de plusieurs Haïtiens qui sont mon Wanamet qui parlent, ouais, que ça, que nous avons dit depuis longtemps, l'État contre la nation, ça continue. Une fois de plus, merci pour l'invitation, moi disponible pour moi répondre aux questions. Jean Sodila, sénateur Patrice Dumont, nous pourrons garder en deux temps dans l'interview ça avec nous. Premier temps, c'est la situation de nos compatriotes haïtiens en République dominicaine qui, je dis, dans le cadre de volonté et autorité dominicaine, a déporté de manière illégale, on comprend, arbitraire, sous capable de dire comme ça. En plus, le monde dénonçait les mauvais traitements que Haïtien Sao a subi, même la République dominicaine n'a décidé de déporter, mais elle a fait selon la loi et selon tout un ensemble de traités qui étaient signés, ou même comme sénateur de la République, ou même comme haïtien, ou même comme homme politique, et qui regarde ou gagne sous ce qui a passé jeudi entre la République dominicaine et Haïti dans ce qui concernait migration. On considère le problème sous trois angles. La République dominicaine lui-même, le monde international, et particulièrement l'OEA, particulièrement États-Unis, Canada, Mexique, comme pays qui a plus force dans la zone, évidemment Cuba là-dedans. Et puis, moi, considérer le problème là sous angle nous-mêmes. En tant que peuple, nous-mêmes en tant qu'État. Autrement dit, c'est que la République dominicaine mettait problème que le gain en dans la société là, en dans l'État là, il mettait au niveau international. Comme de fait, c'est un problème international. C'était un problème international. Il appelait racisme, problème racisme. Il traversait le monde entier, ou bien droit, ou même comme citoyen, ou même comme peuple, ou même comme l'État, dénoncer et agir contre le phénomène racisme. Que on monde en privé, dans la caille, dans le salon, dans le petit club, les inviter monde livre, les parler avec bienveillance, avec monde livre, dans le cadre privé, ça c'est pas égal. Mais depuis le sphère publique là, il concerne tout le monde. C'est peut-être ça, par exemple, Léo a tué George Floyd là. Moi-même, comme sénateur haïtien, moi j'ai réagi, moi j'ai écrit Sénat américain. Et nous voyons tout que le gouvernement américain, l'État américain, à travers justice li, les jugés policiers qui tuaient George Floyd là. Et ils ne sont pas capables de faire un bagage qui compte, ils ne sont pas capables d'agir contre, sanction la justice là. Dans le cas dominicain, haïtien, donc puisque son problème qui transversale, qui transnationale, pas transversale, les transnationales, Haïti a un droit, a un devoir pour le dénoncer et pour l'agir contre. Deuxième bagaille qui est internationale, c'est le problème de l'immigration. Ça gagne entre nous-mêmes. HCR, qui occupait de ça au niveau international, à faire l'ONU, eh bien, c'est lui-même qui existait tout entre Sénégal et la Mauritanie, par exemple. C'est lui-même qui existait entre les États-Unis et le Mexique. C'est lui-même qui existait entre toute l'Europe et à travers l'Italie, côté migrant et au passé plus. Et donc, et l'Afrique subsaharienne en particulier, et même l'Afrique maghrébine, Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie. Donc, c'est un problème international. Gagner une loi internationale sur ça, Haïti est pour devoir, pour utiliser le vieux sérieux pour que, question racisme, question maltraitance des migrants ou des émigrés haïtiens, pour y traiter à un niveau sérieux. Ça, qu'on y a. Et tant que société, nous ne faisons pas rien. L'État lui-même, l'État sous ça, l'Ilagé, c'est vraiment entre libre. Haïti n'a pas existé. C'est un compte dollars, c'est avion qui vient monter après ça. Li prend vitesse de croisière, il va pas besoin de peser rien, il va pas besoin de peser bouton, la machine. Donc, l'État haïtien l'a dit non bagaille de Jean, l'autre monsieur PHT Caroté dit là, il continue de dire sans doute, quitter pays marché. Mais quitter pays marché, c'est non, pas faire rien. Jean pas bon, quitter le pas bon, Jean lié à, et puis nous-mêmes qui jouons toute bagaille, qui organisent pays pour que désordre total, mais au profit de tout petit groupe, et que nous continuons. Donc, face à la question, ça, le regard est que les États-Unis, le Canada, qui aujourd'hui a semblé gagner un gros intérêt pour Haïti, question ça, il ne faut pas regarder le constat. Et Haïti a lui-même, moi, quoi, nous devons mener le pays à considérer une conférence internationale sous situation Haïti et République dominicaine au regard de la question de la migration et des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Ça, c'est le premier bagage que j'ai dit sur le plan international. Parce qu'il est évident que le gouvernement Abinader, là, comme d'autres, c'est pas bon bagage qui fait la première fois. Génération qui l'a lu plusieurs fois déjà. On pas déportation massive, pas de personnes, pas de monde qui parle la matin là, qui pas reconnaître droit République dominicaine pour les déporter monde qui pas légal la Cali. Mais du fait de des conditions infrahumaines, c'est une agression à la personne humaine, c'est inacceptable. Donc, faut gagner une action internationale. Nous que République dominicaine, le gouvernement Abinader là, il n'y a pas de personne. C'est pour les gens qui ont force et qui reconnaissent son désordre, les États-Unis reconnaissent son désordre, eh bien, ils ont forcé. Moi, je dis bien, forcé. Respecter la loi, respecter le droit haïtien. Maintenant, donc, aux conférences internationales, tape utile le monde entier sous question ça. Et pour nous montrer, Jean Abinader, pas l'étendre des personnes, parce que les quoi, les non ont une situation d'impunité, la bénéficier de l'impunité. Et impunité à ce niveau international lié. Parce que Haïti lui-même, pas le faire rien. Gouvernement haïtien n'a pas retourné sur lui tout à l'heure. Mais, maintenant, une preuve. Il y en a 1000 preuves. Depuis 23 août, qui se passait là, Claire Géda, bon, a fait sortir une note que la presse dominicaine te connaît, et particulièrement les gens qui sont frontières, tu connais. Clergé donc d'Abon, il fait des propositions pour montrer que c'est lui-même qui dit, et tout le monde connaît déjà, que les travailleurs haïtiens, c'est eux-mêmes qui font agriculture, c'est eux-mêmes qui font construction, c'est eux-mêmes qui font tourisme, c'est eux-mêmes qui travaillent la terre, et c'est eux-mêmes, donc, de l'agriculture, dans le cas privé, les gens qui appellent servantes, les gens qui appellent nettoyer, c'est haïtien dans les familles dominicaines. Donc, ensuite, la question, avant de dire donc là, la question de commerce. Mais nous avons un rapport de 99.1. Ça veut dire que les républiques dominicaines vendent nous 99 gouttes pour 99 gouttes, ou même pour 99 pesos. Nous-mêmes, c'est pour 1 goutte nous vendons. Donc, nous pas cap. Il faut qu'on ait à continuer, faut nous faire tout ça. Si nous gagnons, tout le monde sait, il y a déporté, mais il n'y a pas déporté parce que c'est haïtien qui travaille dans la construction. C'est haïtien qui travaille dans l'agriculture. Nous gagnons, sous les rapports commerciaux, qui est avantageux net. Un gros moment, mes amis, pour le gouvernement, songez, c'est Haïti lié, pour lui, carrément travail, au moins, avant ces questions, ça, de représailles commerciales. Moi, attendez, Wanameteyo, quitter ces mains frontières-là, eux-mêmes. Alors que, quand on prend le Sénégal avec Mauritanie, je prends exemple ça tout à l'heure là. Un pêcheur mauritanien, en 2018, un pêcheur que Mauritanien, un pêcheur sénégalais, Mauritanien tué. Mais, même moment, c'est une assemblée générale, c'est tout le monde, toutes les affaires cessantes. Il faudrait ça régler. Parce que tu as déjà gagné conflit entre Sénégal et Mauritanie. Macky Sall, rapidement, à la demande du gouvernement mauritanien. Et puis il traversait, il a discuté. Vous comprenez. Ariel Henry, Guédouard Lee, même sent-il pitié pour engager le dialogue là avec Abinader. Moi, je suis très clair sur ça. Je ne vais pas parler de la personne d'Ariel Henry, même s'il sent-il pitié. Le premier ministre que l'il y a, Guédouard sent-il pitié. Eh bien, mais on va parler chaque jour du gouvernement américain. On parle chaque jour avec le gouvernement canadien. Mais faites quelque chose. Kounia, nous-mêmes, moi, songez, M. Ferdinand, question qui regarde, moi, d'où, moi, prends République Dominicaine, Kounia, moi, prends international, là. Et puis pour nous-mêmes, moi, sorti au moins 5 notes en tant que sénateur, sous maltraitance. Policiers haïtiens a fait moun yo arrêté que moun ne sont zinglendo, que moun ne sont gangsters, que moun ne sont bandits, que moun ne sont moun qui fait une infraction et nous t'a dit ordinaire. Nous battons moun yo. Nous craser yo. Nous briser yo. Laissez bandits même pas parler bagaille ça. Gens yo maltraité moun, moun boule moun. Il y a une songée, en particulier, ils ont bandit au caille. Ils ont pris ils ont roulé sur le monde. Ils ont crasé figuille. Oui, c'est bandit lié. Mais est-ce que nous avons droit de faire ça? Oui, c'est prisonnier de la pénitentiaire nationale. Grand et petit grave. L'autre jour, c'est un groupe politique, social, qui organisait un manger pour porter les prisonniers qui doivent. Ils n'ont pas joué de manger. L'autre jour, c'est un petit homme. Et c'est tout le fait, porter manger pour prisonniers dans la pénitentiaire nationale. Les policiers qui travaillent côté prisonniers, ils croient que son devoir, et pas mon droit, non, que son devoir, ils ont gagné pour humilier les gens qui sont prisonniers. L'autre jour, moi, ouais, Dominicain, qui m'a en haïtien. Ils ont immobilisé la terre. Ils ont pris une roche, ils ont crasé douette li. Dernier sac sorti, c'est des bagages nous documenter pour gouvernement haïtien faire montrer tout le monde. C'est monsieur, c'est monsieur. Le même comme sénateur de la République qui s'est opposé comme action au niveau PAO. Oui, en 2021, mai 2021, c'est en tant que sénateur de la République. Des douze à où, c'est en tant que général de la République, ma parole là. Moi, je fais un voyage planifié pour me rencontrer avec premier responsable question haïtiano-dominicaine. Qui recevoit moins dans le ministère des Affaires étrangères. De même que secrétaire d'État au sport et d'autres personnalités dominicaines. Sous question Rivière Massacla ou Songea. L'autre jour, moi-même et deux autres haïtiens, Leslie Voltaire et Mgr Dumas, nous participer dans une émission qui était faite en République dominicaine pour nous défendre cause haïtienne. Moins bien expliqué que la question de la défense de la population, la question de la défense du territoire, c'est en exclusivité exécutive. Il se trouve que le gouvernement qui est le gouvernement Ariel Henry, moi-même, s'il ne s'agissait que de moi et de moi seul, c'est pas une question personnelle qu'a pris là. Il y a longtemps que tu as gagné un gouvernement véritablement de consensus national. Donc, moi dit, en tant que sénateur toujours, moi te dit ça. Et moi dit pour capable bien entendre, bien comprendre. Haïti doit reconnaître que le gouvernement haïtien qui l'a, c'est Kounia pour le faire. Hic et nonc. C'est pas l'autre monde qui voulait que les à Montana, que les l'autre qui voulait assurer, réassumer responsabilité pour gagner un gouvernement de transition réel. Eh bien, il n'est pas arrivé à faire. Parce que, Ariel Henry a une force. C'est force internationale qui fait que lui là, et puis, rien ne peut se faire. Donc, nous dit, sur le plan local, il faut nous reconnaître. Nous ne sommes pas capables de nous en droit pour ne pas respecter la personne humaine. Ça veut dire que pour que ces gens qui travaillent là, que ces gens nous arrêtent, nous faisons ça, nous pitons avec eux, nous baillons calotte, nous crasons, et puis laissez Dominicains, on dirait que nous ne sommes pas d'accord. Moi, répéter encore, les droits de la personne humaine, c'est tout le monde net pour qu'il respecte. Donc, je dis, hein, plus que hier, il faut que nous reconnaître, et ces dernières considérations en fait, que nous ne sommes pas capables de régler les questions dominicaines par à coup. Donc, comme on dit là, les Dominicains ont frappé, ils ont tué, ils ont massacré, et puis, bon, nous songez ça, et puis, bon, levé campé que c'est. Levé campé, forcément, et me profiter de saluer les groupes politiques et sociaux qui ont fait manifestation jeudi à là, parce qu'effectivement, il faut nous parler pour nous entendre. Mais la question est structurelle. Moi, je crois que c'est Mme Alexandre qui te dit tout à l'heure, ou bien Johnny Ferdinand, la question est structurelle, nous ne sommes pas capables de prendre seulement sous événement. Il faut nous prendre donc de manière structurelle, ça veut dire institutionnelle, et accord binational là, il faut nous activer de manière plus sérieuse. Voilà donc, et regard moins sous question gros misère ça que la République dominicaine a passé à fait noir. Alors, nous avons dit, on petit détail. Ça gagne entre Haïti et République dominicaine, non? Lui montrer nous que nous pas gagne l'État, nous pas gagne gouvernement. Comment pour une question aussi sensible sur le plan international, si si Abinader pas voulu rencontrer responsable, premier responsable politique haïtien, en l'occurrence premier ministre Ariel Henry, pour toutes les raisons, nous n'avons pas besoin d'imaginer tout, ou pour me dire, mais pour toutes sortes de raisons, il n'est pas d'accord de rencontrer avec le premier ministre haïtien. Le premier ministre haïtien, m'a insisté sur ça, il faut quand même les songer que c'est le premier ministre haïtien lié. Et que donc, il n'y a pas besoin de peur pour poser problème là avec, au niveau bilatéral, c'est-à-dire avec chaque gros pays qui voisine nous, et au niveau multilatéral, et dans l'ONU, dans l'OEA, et dans CARICOM. Mais pas, bon, je vais donner un exemple pour vraiment, pour finir sur le premier point ça. Et, Haïti, nous pas capable de droit nous. Par exemple, même vieille initiative, moi, contre lui, n'est pas allé. Que Jovenel Moïse te prend, bail 2-3 moun, fait, yon, soi-disant, fait une constitution, mais son bagage importé, son bagage commandé. Dit commander, c'est pas préparé, c'est commander. Même vieille initiative, ça. Les mettez la navale, faisant partie du territoire national. Mais, là encore, moi souleve la question dans le Sénat. Mais le territoire national doit être défendu par le gouvernement. Et comme pour ce gouvernement faire, qui ça empêche, tant que j'aimerais même la conversation privée, enfin privée dans le sens où c'est pas, il n'y a pas de radio, une conversation privée avec quel que soit agent américain, y compris l'ambassadeur américain à l'époque. Nous toujours appelé aux questions la navase là. Mais qui je... Ou pas capable, si nous pas capable de dire au gouvernement étranger que nous avons un petit problème, oui là, à faire la navase là, moi je voulais retourner sous lui, parce qu'elle fait partie du territoire national, lui dans la constitution, moi pas arriver, gagner un contrôle lui, il y a d'autres que nous voyons un contrôle aucun côté dans le territoire. Alors on dit oui, mais c'est son bagage qui concerne les peuples haïtiens. Et la question là, la base là, faut nous parler sur ça. Mais c'est pas, on a besoin de faire ça. C'est normal, parce que les pour nous, on dit pour nous, qu'on y a, faut qu'on prenne à partir de parler qu'on va faire avec monde qui sous l'IA. C'est même bagaille là, sous question de migration internationale, sous question de racisme, par rapport à l'obstruction droit des travailleurs en République dominicaine, mais sinon pas protéger les travailleurs pas nous ici, comment il a fait protéger eux de l'autre côté. Si on arrête un Dominicain là, je dis, nous-mêmes ici là, demain, à gagner un monde dans l'ambassade dominicaine, cap vient paraître pour demander nouvelles, pour parler avec lui. C'est même gens tous qui sont bahaméens. Et l'ambassade Bahamassa l'a venu, l'a demandé information. Haïti, on met tout haïtien, pas de monde qui pose des questions sur ça. Nous, pas un peu le temps, puisque nous avons rendez-vous à 8 heures. Mais on a fini avec dernière question, ça, pour capable élaborer et finir avec lui. Un peu dans jeune garçon, avec jeune femme qui quitte le pays, jeudi là, pour aller soit en République dominicaine ou bien dans l'autre pays, c'est pour aller chercher la vie meilleure. Et avec chapeau qu'on gagne, comme connaisseur dans les affaires sport et également homme d'État, Marie Mado, dans quel niveau qu'on pensait l'industrie ça, qui c'est sport, l'État capable d'aider, nous réduire délinquance juvénile, créer travail et empêcher un pile jeunes garçons et jeunes femmes quitter le pays pour aller humilier dans de l'autre pays. Action dans le groupe que nous club moins, ou bien le moi été entraîneur sélection olympique, ou bien directeur technique national, les compter, mais c'est prise en charge collective là. Nous bouquet trop facile dans faire sport. Une fois de plus, je vais exprimer regret moins que proposition de loi sous sport que moi fait que qui déposait la secrétariat Sénat et qui bénéficiait de assises tant à part au prince qu'au Cap Haïtien, ça veut dire journaliste là et puis des personnalités dans le sport qui étaient présents. Yo fait une proposition sous lui, m'a tenu compte de proposition yo. Il y a deux aspects moi t'ai souligné qui gagnent la proposition ça. Et c'est la reconnaissance du travail de tout garçon, jeune femme, jeune garçon qui a organisé championnat vacances dans le football. Mais il fait championnat vacances tout dans le volleyball, dans le basketball. Mais le football a tellement gros avance en termes populaires dans le pays que c'est ça, c'est football là seulement nous connaît. Mais pour que gon reconnaissance du travail ça et que yon gagne droit moun qui organise l'yo fait en sorte que c'est une entreprise que lié. Une entreprise qui a offert un service, donc il y a un droit rentrer comme la après contrôle évidemment de loi, je ne suis pas capable de bailler tout détail. Deuxième partie, c'est la professionnalisation du sport de haut niveau. Qu'est-ce qui sport de haut niveau? Sport de haut niveau, c'est pratique sportive qui est organisée à l'intérieur de une fédération cap chercher le plus haut rendement sportif et qui gagnait ambition pour lui représenter pays dans une grosse compétition internationale. Pour capable faire travailler ça, moun qui pi fort dans le football yo, ou moun qui pi fort dans n'importe quel autre sport yo, si le sport ça a des capacités pour professionnaliser, faut qu'on professionnalise. Et dans le cas football là, faut que nous arrivions à au moins un semi-professionnalisme. C'est pour moi je dis encore non, même je dis que l'aptouche anticobe, mais capable de gagner l'autre activité lorsque il est en deuxième division. Mais mon cap jouer dans la première division yo, faut club ça yo et club semi-professionnel là et club professionnel yo qui gagnait 12 clubs par exemple, ou des 14 clubs en première division, et 20 clubs en deuxième division, faut gagner un soutien financier qui est clair de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports pour que soient capables d'entretenir équipe de jeunes qui gagnent moins de 17 ans, moins de 15 ans, moins de 13 ans et moins de 11 ans. Donc, de sorte que dans tout pays à net, plus l'école football, j'accroche football passion, pour mettre yo dans bataille ça, pour que sous 4 ans, sous 8 ans, nous sommes capables de produire un pile bon footballeur, mais nous n'avons pas besoin de faire des baillots foulage de coups ou de fêles dans l'opération. Dans l'opération 2004, non, pardon. Génération 2006, c'est ça? Oui, l'opération 2006, là, nous n'avons pas besoin de faire Haïti, Mounio, Foulage. Déjà, c'est soit nous suspendons avec bagaille ça, parce que si on a un bagage qui est très grave, nous n'avons pas pris un petit monde volé. Nous avons fait un pays qui n'a pas gagné éthique, nous avons fait un pays qui n'a pas gagné morale. Depuis, ça nous besoin de jouer, depuis nous jouons, nous bon. Donc, nous ne sommes pas capables entrer dans la logique, bandit, c'est manger au besoin de manger, c'est riche au besoin de riche, donc il y a tout le monde, il y a kidnappé le monde, il n'y a pas besoin de connaître. Donc, il faut que nous apprenions tout le monde, le goût de l'effort, nous ne sommes pas capables d'apprendre tout le monde, jeune tout le monde 16 ans à jouer pour le monde qui gagne 11, avec le monde qui gagne 12 ans. Donc, travail ça, comme tout ça l'a dit, c'est donc l'idéal, oui, gagner financement. Et pour gagner financement, il faut que monde qui dans l'État, il ne faut pas voler l'argent de l'État. Et pour entraîneur qui qualifié, qui connaît métier, il apprend avec donc gens football là enraciné en Haïti, il faut joindre quand même une possibilité pour pays à gagner équipe qui est compétitive dans la zone. D'ailleurs, si vous songez ça, bon moment, même si c'est l'autre politique, oui, qui peut bailler. C'est politique chercher haïtien qui est en Europe, petit haïtien qui est en Europe, qui est d'accord jouer pour Haïti. Enfin, il est d'accord jouer pour Haïti, c'est le pays qui accueille l'Europe, pas après la sélection, il faut qu'on reconnaisse ça. Mais, politique ça, qui était capable efficace à 40-45%, eh bien, il te permet nous, remontons ce score contre Canada, pour nous décaler Canada 3-2, et nous perdu devant Mexique, non penalty. Et ça te montre nous, gens haïtiens étaient contents en pile que pendant période ça, dit dictature Brésil, Argentine, il était presque mouru dans le pays. C'est la preuve que gens, en pile monde dit avant que me prenne la parole sur la radio là, qu'avant qu'on prenne la parole là, Haïti voulait vivre, Haïtien voulait vivre, Haïtien capable faire une performance intéressante si tant est que comme pour qui permettent nous faire là, c'est pas il va voler en lait et que c'est pas même on petit crasse qui est entré par exemple. Moi j'ai fait mon rapport que malheureusement peut-être que ou pas recevoir ou bien qu'on pas venir de seul guerrier là nous pas de là mon qui attaque nous. Et c'est 13% de l'argent ministère de la jeunesse et des sports yeah. qui servit dans la fédération sportive. C'est inacceptable. Sénateur Dumont. Allô? Oui, m'attendez, oui. Sénateur Dumont, tu as gagné une époque, tu as une campagne qu'on a menée, surtout pour construction d'un stade dans le pays d'Haïti. Tu as gagné une levée de fonds qui a commencé à faire. À quel niveau nous y qui ça fait? Est-ce que son projet est morné? Ok. Fondation Toupouyo, nous fondons, nous inaugurons en 2018. Et nous, tout de suite, avant fondation, cérémonie officielle, nous avons fait dans l'Islam, nous avons ouvert, nous avons droit ouvert compte parce que l'État reconnaît. Nous passons un an pour fondation, l'État te reconnaître, pour te publier dans le moniteur. Et dans la cérémonie, ça, nous t'ai tout présenté le carnet de fondation, donc compte fondation, qui était ouvert avec 500 000 goudes que moi t'ai promis pour me bailler dans le revenu comme sénateur chaque mois. Et j'ai gagné Éric Jean-Baptiste Sarah qui mourit, qui était baillé 250 000 goudes, gagné le couple Élysée, Jonas et Osdo d'Élysée, qui était baillé 130 000 goudes, sous la forme de acheter un tableau, mais à la vérité, c'est pas tableau. C'est comme nous-mêmes, nous avons dit, nous avons 20 tableaux, après ça, nous avons organisé 22 livres, etc., pour nous avoir un record. Et gagné d'autres personnalités, par exemple, moi, songez, on monte Daniel Rousier, qui baille 150 000 ou 200 000 goudes. Et surtout, nous t'ai organisé en journée de la jeunesse avec un petit homme, donc avec jeunes qui n'ont pas paroisse là, qui fréquentaient l'église catholique en général, nous t'ai fait dans Saint-Louis de Gonzague, et qui t'ai rapporté nous 500 000 goudes. Ensuite, Jossa, je suis capable de faire 2, 3 noms de mémoire, parce que je n'ai pas gagné de là. Yuri La Tortue, tu t'es fait cadeau $300 à l'église. Sénateur Célestin, Roni Celesté, tu t'es fait cadeau $300. Nous sommes mon frère, moi, Maxime Dumont, tu t'es fait cadeau $150. Moi, pas songer tout le monde qui était en quinzaine, qui t'es fait cadeau ça. Donc, nous sommes capables de nourrir à la fois compte goutte nous et compte dollar que nous gagnons dans BNC. Et puis, nous, Philippe Bob avec moi-même, nous gagnons plusieurs livres que nous écrit sur Affaires Football. Philippe Bon livre écrit avec aide de Michel Soukar. Michel Soukar qui écrit là, ensemble avec Philippe, Philippe Bob au sommet du football haïtien. Donc, livre ça, nous était organisé, ils ont vente signature dans l'université Kiskeya, que nous remercions Madame Abdissa, et qui t'a rapporté nos petits copains. Donc, Madame Alexandre, l'idée d'organiser des gros marathons pour que le peuple-là vienne l'idée de l'État haïtien, ces formules ça nous t'ont adopté. Mais ça nous gagne. Mais ça nous gagne, ou même mettez différence. Et nous pas dit, ça nous gagne. Nous pas travaillé sous lui. Nous faisons l'État haïtien, nous écrit l'État haïtien. Ça veut dire le ministère des Finances, pour nous dire, mettez, ça veut dire les ranges des quadribouquets à la disposition de tout pour que nous capables, la nation haïtienne, l'État haïtien capable de faire stade moderne pour payer le par là. Nous d'autant plus te faire avec sérieux. Avant ça, nous visitons plusieurs espaces. Même dit nous, moi-même notre pouillot. De même que architecte Daniel Elie ou Philippe Châtelain, qui dans mon studio, nous visitons 4 espaces. Finalement, parce que nous t'ai gagné un travail, nous t'ai fait tout avec SIAT. Michel Auriol, expliquez-nous plusieurs espaces qui sont capables intéressants. Mais dans le débat avec la famille du football, tout, nous finissons par voir que ça qui est intéressant, c'est l'étalier, c'est l'ange quoi des bouquets. Nous faisons travail technique avec mon studio, M. Doula, et architecte Daniel Elie et architecte Philippe Châtelain comme chef de mon studio. Ils ont fait un partage moderne par drone. Nous fait relever, nous déterminer point central côté pour nous installer et pour nous ériger ce stade-là. Combien comme ça a coûté? Tout bagaille ça yo, n'a présenté yo. Sans doute, le 10 a gagné un intermède dans la Coupe du Monde là. Le 10, par la voie d'un documentaire donc audiovisuel, et pour nous expliquer les moindres petits détails de ça que nous offrons peuple haïtien pour que l'État haïtien aide nous fait stade panon. Mais ça me capable de tout ça. Évidemment, moins retenu, Madame Alexandre, que vous dites que vous levé de fonds qui fait. Si vous gagnez à la mémoire, ou bien dans un journal, que vous gagnez en l'autre démarche, autre que Samsung Dilayo, je vous en prie. T'en prie, faites tout le monde comme ça. Venir avec documents qui montraient que tu as gagné, donc dans la nouvelle font marathon, toute radio a parlé de ça, et c'est ça nous t'avons fait. Mais comment nous t'avons capable de faire après 2018? Paysan vient bloqué. Bon moment, notre pouillot nous dit que chaque fois nous parlons organiser un bagage à, par exemple, deuxième année pour nous faire journée de la jeunesse là, avec ensemble avec petit homme, nous sommes obligés à annuler. Laissez pas gens là où il y a que le pays a été bloqué, c'était Covid. C'était Covid là qui fait que nous ne sommes pas capables de faire deuxième activité là. Donc, il était compliqué entre 2019 et aujourd'hui pour nous dire, peuple haïtien, nous solliciter, nous dire que c'est pour lui, la stade. C'est pour lui, nous voulons gagner un stade. C'est lui-même qui stade. C'est stade pâle pour lui. Mais faut lui bailler contribution. Lui baille, s'il gagne projet pour bailler 1000 gouttes sous 3 ans, eh bien, la bonne, 1000 gouttes sous 3 ans. Moi, je crois que, je dis, l'époque nous avons essayé d'établir sous ça, nous avons pensé que 3 millions haïtiens capables de bailler 1000 gouttes sous 3 ans. Mais je dis, je ne crois pas qu'il y ait 500 000 personnes qui sont capables de faire ça. Ça est toujours à disposition l'État haïtien pour même projet. Qui ça qui est toujours à disposition? Pour ça, nous sommes arrivés collectés par plusieurs mondes qui nous débattent des détails sur nous déjà. Est-ce que est toujours à disposition pour l'État pour même projet ou bien est-ce que son projet que nous fermons? Non. Attendez, Madame Alexandre. Ces fonds que nous ramassons, ils permettent nous ce travail, ça relève du pré-projet, son esquisse de projet, l'innécessaire avant que gagne plein stade là à proprement parler. Et c'est avec, permettez-moi, tant pis, je vais répondre à la question là. C'est avec fonds ça veut dire que contribution que nous citons, que nous sommes capables de joindre $16 000 américains pour nous faire tout l'ensemble de travail, ça me saute 10 ou là. Et naturellement, $16 000 américains, c'est good que nous transformons, que nous achetons dollars pour nous être capables de payer. Mais si on travaille dans un pays, entre les guillemets, normal, que on l'a dit au Mexique, que on filme d'ingénierie à faire, on filme d'architecture à faire, c'est un travail qui t'a coûté $1 million. C'est un travail qui t'a coûté $2 millions. Travail que nous avons présenté dans le premier tiers mois de décembre là. Faut nous comprendre bien, oui. Maintenant, donc c'est son participation citoyenne que mon yo bail. Donc c'est pas on, il faut qu'on fasse réellement. C'est, on a parlé là de 4-5 millions de gouttes. Il n'est pas capable de faire pour stade. Mais c'était initiative pour que justement le débit l'on fait. Mais pendant 3 ans, pendant 4 ans, pas de moyens pour nous faire plus que ça nous fait. Et comme de fait, pays entré dans une régression systématique au point que nous sommes dit là tout à l'heure, nous t'ai compté que sous 3 millions on capable bailler 1000 gouttes sous 3 ans, même pas qu'aujourd'hui nous qu'a dit 500 000 monde capable faire. C'est peut-être ça donc que nous compter sur une reprise de la vie en Haïti. Projet ça, il n'est pas pour tout pour eux, encore, il est pour pays. Dans le pas de il faut que tu aies un groupe pour quitter pour l'initiative là. Et le groupe là prend l'initiative là, pays doit approprier de groupe de ça. Mais, je me dis, dans la perspective question qui posée, stade là, c'est ça, il est un monument. Et dans l'esprit pas nous, stade ça, faut que c'est à partir de ce stade-là, nous inventer en Haïti une véritable rénovation urbaine. On dit en Haïti, parce que dans l'autre pays, on fait le déjà. C'est-à-dire, faut que des bouquets à venir dans l'autre pays, dans l'autre ville nette. Et c'est à partir de ça nous prenons le faire que nous avons gagné modèle pour nous faire la vie urbaine dans le pays d'Haïti. Donc, voilà, projet ça pas capable de mourir, à moins que Haïti va mourir, Haïti pas capable de mourir. Yeah. Sénateur Dumont, il y a un pile élément, nous sommes capables de boire matin, hein, si nous parlons d'un bon politique sportive dans le pays d'Haïti, pour Jean Haïtien aimer football, et il suffit que vous regardez les gains Brésil qui a joué, les Argentine qui a joué, les Real Madrid, Barcelone, pour citer ça seulement, qui est fièvre qui gagne. Et je dis à nous pas gagner championnat national, toute bagaille campée, nous avons fédération là, nous pas connaît qui est-ce qui président, nous avons comité de normalisation, je dis à sous demande à un sérieux pas gagner comme bilan, le Quadabouquet comme centre de formation principal pays a fermé, bandit et acheter la Quadabouquet l'argent comptant permettre un paquet de travail qui était fait au niveau de Wencheck, pas qu'à fait encore, etc. Le problème est en pile, et nous avons Jean-Gérin Alexandre souligne, sénateur Dumont, c'est ancien directeur information là, co-présentateur émission Matin Caraïbe qui souligne qui même poser une question. Jérémy, bonjour. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour nous tous, bonjour Guerrier, et bonjour tout le monde. Et comment est le sénateur Dumont? Je vais saluer. Vous entendez? Je m'attendais directement pour ne pas transmettre ma question que la poser. Non. Même pas. Je m'attendais. Problème technique à la série. Attention, il va me tomber là. Oui, allez là. Ok, allez là. C'est la salut. Bonjour. Comment est-ce? Après, je me ça, oui, debout, là, je ne pas peur, je m'en forme. Debout, là, je ne pas peur, tout. Mais, c'est la salut, bon. Je me donne des gains, une question qui est posée, qui est très importante qu'on va répondre en termes de ça, ou même ou faire en tant que sénateur, en tant que restier, etc. Bon, ça, le problème. Mais ça, le problème, c'est que, en tant que pouvoir de contrôle, nous avons l'argent qui va être pour des constats côté aviation. C'était sous Evangelist Koufler, il était monté de Apo, il mettait un mal de Apo, par exemple, quand il fait. Qui ça, Sénat, a fait sous question ça? Qui ça, ou même, a fait sous question ça pour ne pas trier dans 4 Zouba pour faire un stade? Côté l'argent, ça a passé. Jean-Gérin Alexandre, question j'ai été posée, hein? Ou t'as même pas répondu ni. Donc, il faut oublier la réponse moyenne. Vous comprenez? Moi, je dis, question, j'ai été posée, non? Pardon, guerrier était posé, non? Comme ou pas souhaité que nous répondions, ou croyez que nous ne répondons pas. Ça qu'on arrive en psychologie. C'est parce que, vous venez avec question, c'est ça, vous avez un préjugé. Moi, je réponds guerrier, moi, je dis guerrier, en tant que sénateur, sous question Haïti, République dominicaine, il était commencé déjà dans le problème rivière massacre là. Le 17 février, le 17 mai 2021, moi j'ai fait un voyage officiel, ça veut dire en tant que sénateur, à partir de rendez-vous que j'ai gagné avec plusieurs officiels dominicains pendant haïtien, travail de préparation que ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le grand citoyen haïtien Edwin Parison, et aidé fait pour me te rencontrer précisément monde qui était plus important sous question rivière massacre, monde qui occupait des relations haïtiano-dominicaines. Moi, je fais conférence pour étudiants haïtiens et me rencontrer 5 officiels dominicains sous question ça. Et forcément, de pouvoir parler avec dominicains, c'est ou pas capable de parler de problèmes de migration. Et en plus, ça a gagné 2 samedis. Je ne sais pas si tu as fait 3 samedis. Moi, je réponds à invitation Monsieur Albuquerque, qui gagne une émission qui est équivalent à ramasser Radio Caraïbes Blanc pour nous parler des relations haïtiano-dominicaines, donc défendre la cause haïtienne en République dominicaine. Sénateur, on vient sur cette question stade-là, vous ne pouvez pas vraiment finir. Vous pouvez me reprendre la réponse que M. Baye Guerrier. Quand il y a là, sous question, moi j'ai l'impression que vous parlez de 25 stades de la moto. Et vous parlez tout de piste aviation, que l'ancien secrétaire d'État et ministre Évangelist Koufler a mis tombé à coup, mal à coup, sous piste aviation, côté comme ça a passé, puisque après ça, sous le Maïti, c'est un conseil local qui a fait sous. Oui, effectivement, terrain espace ça, moi je crois que c'est Taïwan qui est Baïkobla. Oh, ça c'est pareil pour allemand des mounes qui te recevoir comme là. Son citoyen yé. Son citoyen yé. L'autre du côté comme là. Mais je dis au côté comme tout pour yo ailleurs. Si comme tout pour yo, je suis deux côté li. Moi je suis deux dans qui est allié. Mais comme ça, en tant que citoyen haïtien, en tant que monde qui met la parole, eh bien, justement, les bons composés là. Mais l'opposé, là, c'est comme si tu as gagné une quelconque association entre soit le citoyen Patrice Dumont, soit le sénateur Patrice Dumont, sous quelque chose ça. Non. Et moi, qu'on est, même genre avec vous, que effectivement, l'agent ça, lui, disparaît, son gros mât, effectivement, sous lui, et lui tape répondre à la vérité si il était fini le projet. A un besoin dans ce zone ça si par ailleurs il était étendu, il était prend plus espace toujours pour faire ça en pleine de jeu. Et il n'est pas trop tard puisque terre là toujours. Si c'est là le pouvoir de contrôle, nous apprenons que l'argent a passé, que nous avons pas de quel souvent, pour obtenir des vraiment bien entendu. bienvenue ça et Jean-Gérin Alexandre pour nous transmettre en ligne. Ou bien nous prenons disposition technique pour nous attendre bien. Quand le MT attendait bien, nous te font une correction pour nous attendre bien. Semble que c'est un problème technique, mais j'ai demandé pour que, en fait, si nous, comme sénateurs, nous avons joué rôle, pouvoir de contrôle que nous gagnons, donc, aujourd'hui, nous avons cherché à faire marathon pour nous gagner, on l'autre stade. Non, ça c'est. C'était qu'on est géré. On stade lié tout quand même. Stade Sylvocator, c'est une autre. Moi, j'ai l'argent. Non, moi, je connais géré. Oui, oui. Sénateur. La question est mal posée. Le contrôle gouvernemental, pas débouché forcément sous action heureuse de un gouvernement. Sous question ça, une fois de plus, c'est compliqué pour moi répondre en personnel en question qui globale, en problème qui global. Comme dit pour Jérémy Alexandre et pour tout le monde, tout haïtien. Dans le règlement Sénat qui voté en 2008, il dit clairement si on ne connaît pas ça à travers la Constitution et à travers la coutume, il dit clairement sénateur a gagné pour contrôler les dépenses gouvernement. Non, à travers qui fait dans le ministère et dans l'entreprise autonome. Moi, mené une bataille qui va résultat. J'ai Alexandre pas cherché comme ça. Naturellement, comme moi considère J'ai Alexandre comme un bon citoyen, moi imaginer que c'est peut-être qui est fort pour le faire, le pape fait, qui fait que le pape dit ça. C'est parce que seul budget que groupe sénateur que moi c'est parti, c'est-à-dire qui entrait dans le Sénat en février 2017, 14 février 2017, moi travaille sous un seul budget. C'est budget 2017 là. Budget ça, que vous avez budget criminel. Et c'est le budget ça, moi-même, avec l'équipe qui travaille avec moi. Nous voyons que le chapitre, autre source de revenus, vous mettez que l'État haïtien gagnait 584 205 000 gouttes et quelques centimes. Nous analysons ça, nous l'envoyons. Parce que, thème dit tout haïtien, chapitre ça qui est les autres sources de revenus, c'est comme l'État haïtien fait qui pas sorti la douane, ou bien DGI, ou bien non coopération internationale. C'est l'argent que le gouvernement haïtien, l'État haïtien fait qu'on t'a cabrélé des fonds souverains. On dit qu'on t'a cabrélé des fonds souverains. Que les COB et BNC fait, que les COB BRH gagnent et entreprises autonomes les plus connues étant APN, OAVCT, SONAPI, AAN, donc Aéroport International là, etc. Nous dit ça, nous pas capable d'accepter. Eh bien, mon cher Jérémy Alexandre, recherche nous vient de nous. Il y a un document que les gens qui gagnent lieu, ils peuvent bailler. Parce que dans l'État, ils connaissent. Entreprise ça est capable de bailler l'État avec 9 milliards de gourdes. Et c'est 684 millions seulement comme bénéfice que vous supposez faire pour bailler l'État. Moi, gourmet avec premier ministre Jovenel Moïse, moins gourmé avec deux premiers ministres des Finances, Jovenel Moïse. C'est-à-dire, ministre Salomon d'abord, et deuxième ministre, c'est curieux, pendant ma parler là, il sortit dans la tête. Mais, le travail là était tellement efficace que pour budget 2017-2016, c'était le premier budget, c'était 2016-2017. Non, 2017-2018. Pour budget 2018-2019, là, ils ont obligé de mettre 3 milliards de gouttes devant 584 millions. Donc, non, on va pas apprécier. Non, on va pas apprécier, non, M. Guerrier. Parce que Jérémy Alexandre entrait dans ces 54 mois. Plus que ces 54 mois, il a même touché ligne de but. Donc, ça ne va pas prendre. Explication comme citoyen et nous-mêmes comme sénateurs, comme dégoûtés, c'est nous qui là pour veiller sur. Oui, c'est nous qui contrôler. Non, non. L'idée de reconnaître à un triple titre. L'idée de reconnaître comme citoyen, l'idée de reconnaître comme monde qui a parlé dans la radio, comme ses chefs liés dans la radio, et l'idée de reconnaître qui sa zamille Patrice Dumont fait. Il va respecter une dans trois ça. Deuxièmement, non contrôle action gouvernementale. Moi, je joins que en 2016, moi, je rentre en 2017. Donc, dans l'exercice 2016-2017, l'État haïtien a gagné une dette de plus de 2 milliards de gouttes sous l'affaire louer machine pour vagabond. Et son bagage qui tellement malsain que Negio créé pour faux entreprise de l'intécario. Autrement dit, les gens disent louer une machine pour yoa, c'est pas non maison y aller pour louer le vrai. C'est dans entreprise, dans faux entreprise yoa, l'agent c'est eux-mêmes qui prennent. Yo prend l'argent directement sans que pas aucun travail qui fait. 2 milliards de gouttes de déficit. Eh bien mon cher, je pas connaître si on comprendre ça, ou bien si vous voulez comprendre. Le travail, ça s'est tellement fait avec détermination que le Premier ministre, Lafontaine, obligé de sortir un mémorandum qui d'ailleurs publié dans Moniteur pour dire que la préfet question a fait, il y a le problème de location de voiture dans l'État. Ce n'est pas seulement dans le Sénat, ce n'est pas seulement dans la Chambre des députés, c'est dans tout le corps de l'État. Ils ont loué machine, au point que pour l'État, louer 2 milliards de gouttes, tout ça. Donc, lorsque l'État, gouvernement, ça, est obligé, prenons mesure, pour le suspendre des ordres là, il faut que vous songez, c'est travail, sénateur Patrice Dumont. Bon, si, parce que on connaît que au moins des 5 l'autre dossier m'ta capable bail, mais ou pas voulez me parler. Ou ali, guerrier ou son mauvais nèg. Vous devez faire Lydia Alexandre là la pédale. D'ailleurs, vos dispositions m'gal pour là. Parce que faut me faire une petite place entre Lydia Alexandre et Johnny Ferdinand. Parce que nous y a fait vert avec un. Bon, qu'on a même changé non, moi d'après les Dumont. Moi, j'ai une petite place dans l'Italie. Pour bonne dialecte et gérer avec les guerriers du sérieux, pour le vanir encore. Depuis mon ami, je bon. Sénateur, nous sommes contents par la voix, oui? Merci en pile, M. Guerrier, merci tout le monde. Et mettez la foi, nous, mettez volonté, nous, mettez science, nous, mettez quoi? Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, je cherche Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick.